Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ce Wargame Red Dragon. Et aujourd'hui nous attaquons au sixième match du round 3 et dernier round pour efface qualificatif qui opposera cette fois-ci après Crocodile versus Doomy, ça sera Apollyon versus Rosewall. Le vainqueur sortira des phases de poule avec deux victoires, le perdant restera en phase de poule et perdra avec une seule victoire et rejoindra Crocodile en défaite. Quoi qu'il en soit, ça reste un match très serré, parce que deux joueurs ont le niveau pour gagner et ont plutôt un très bon niveau. A savoir que Crozo sera en rouge, qu'Apollyon sera en bleu. Donc on va commencer par le deck d'Apollyon, Chaos Apollyon, qui joue un deck Norad. Deck qui me semble que je n'ai pas encore présenté, qui ne me semble pas avoir été présenté auparavant pour ce joueur. Apollyon avait joué rouge. Et je crois qu'Apollyon avait joué rouge. C'est ça, il a joué rouge sur les deux matchs avant. Donc un nouveau deck. Or, il n'y a que 7 commandants, des commandants à un prix assez onéreux ou avec des caractéristiques particulières. Un commandant très rapide mais peu blindé, Grizzly, et un commandant blindé avec le Brahms, bon, c'est du classique. Ravitaillement, par contre, ça reste du classique, un HMTT, CH53 ou d'un Spare Shinook et du Fob. C'est logique. Au niveau de l'infanterie, est-ce qu'on va sortir à or ? Plus d'infanterie que dans le cas de Crocodile. Après, de l'infanterie quand même avec des transporteurs très particuliers et très onéreux. On voit déjà deux Riflemen 90 avec des MA2 Bradley IFV. Donc le meilleur Bradley possible et inimaginable en transporteur. Donc à se méfier de transporteur. Hein. Voilà, l'autocanon est déjà très précis et bien puissant. Avec ça, on aura un tien ultra puissant. Et en plus, une infanterie qui sait se débrouiller avec des bonnes stats. À faire attention. Nous avons aussi des US Marines en UH1N Twins UE. Cette variance-là, en fait, Twins, enfin, de UE, est équipée d'un minigun, en fait, est équipée d'une mitrailleuse standard M60, si je me trompe pas. On peut comparer de toute façon un UE normal, ça. Si vous d'avoir une M60, la version Twins est équipée d'une Gatling. Et a plus d'autonomie aussi. Est-il plus blindé? Et plus blindé, d'accord. En fait, c'est le plus blindé, il est plus rapide. Est-il plus rapide? Il est aussi rapide, mais il gagne en blindage, en autonomie et en puissance de feu. En plus d'être des US Marines, les US Marines. C'est pas la petite unité. Enfin, dernière troupe, nous avons des Highlanders, donc des troupes standards canadiennes. Ils sont 10, mais ils sont équipés surtout du RX. Je crois que sa seule unité régulière du côté dans le jeu qui est équipée d'un RX en fait. Et que Bouffort qui a des unités avec des RX, et je crois que sa seule unité d'entraînement standard qui ont un RX. Mais vraiment, voilà, Highlander 90, j'adore cette unité. À faire attention. Enfin, surtout les véhicules. En niveau du support des petits mortiers, des Stingers, des véhicules rapides Avengers en Stinger, du Mark Sam en DSA plus lourde, le Chaparral en DSA très lourde, longue portée, et enfin nous avons en DSA suprême anti-aérien, le Patriot 5600 mètres de portée, 70% de précision, 9 d'AP, gradé en vétéran pour pas louper ses avions, sa DSA suprême entière, le Patriot, à faire attention. Quelques missiles de Patriot pourraient suffire. Nous avons des Léopard C2 Mexa en char moyen. Et après, c'est du char très lourd. Toutes les variantes les plus lourdes des Américains. Les Abrams, c'est plus lourd. Le MA2 Abrams. Le MA1 HC Abrams. Et le MA1 Abrams. Des chars ultra ultra puissants. Peu de blindés, mais des blindés sur lesquels on peut compter. Au niveau de la reconnaissance, nous avons le Gap 25 Scout. Le reconnaissance très classique avec des optiques blancs. Le Bradley M3A2 Bradley CFT, CFV, excusez-moi. Très bonne optique, très onéreuse, mais équipée de 12 missiles anti-char Saclo, de type Saclo, des taux 2, 70% de pression, 25 anti-char. À faire attention, des missiles ultra puissants, le Bradley A pour faire beaucoup de dégâts. Des snipers en reconnaissance, du Canada, avec un calibre 12-7. Au niveau du fusil de précision, un anti-personnel, un anti-char. Et enfin,
une reconnaissance. Canadienne ECH-36. Donc des reconnaissances un peu tout prix, dont une reconnaissance très chère mais ultra puissante. Enfin, ultra puissante, très puissante plutôt. Nous avons en véhicule l'EM Vito et nous avons l'EM 63 CS pour sauter anti-infanterie et anti-hélico. Ah oui, à savoir entre les deux, le combat t'as beau avoir même porté contre les hélicos, mais il est moins efficace que le M163 du fait que le M163 est équipé d'un minigun, la cadence de tir fait qu'il dégomme très vite les hélicos. Enfin, au niveau des hélicos, nous avons l'Apache, 8 roquettes Hellfire, 38 roquettes Hydra, 1200 coups dans l'autocanon, hélico très puissant, avec ça un Super Cobra accompagnera. Équipé une missile TOW 2 et une missile infrarouge anti-aérien pour s'occuper des hélicoptères et peut-être des avions. Et d'un canon Vulcan de 20 mm. Et enfin, nous avons un Cobra pour terminer, équipé d'un minigun de roquettes uniquement. Donc, uniquement soutien anti-infanterie. Donc, deux hélicoptères assez chers et un hélicoptère très léger pour un soutien. Enfin, pour terminer, nous avons le Nike Hawk en frappe lourde anti-infanterie, enfin anti-tout même, le Nike Hawk. Hein. Double missile avec une dispersion de 0, avec 20 anti-char par. Donc 20 par missile, ça fait 40 dash quand même d'un coup au même endroit et 600, 1200 de suppression au même endroit. Je sais pas si c'est cumulable, mais je crois que oui. Et tour de chargement une seconde. Une seconde des 40 les deux missiles. Et enfin, un avion anti-radar du Canada. En face, nous avons Crosswall qui va nous sortir son deck rouge. Son deck de bloc de l'Est. Donc, dans son deck de bloc de l'Est, nous avons 8 commandants, des commandants d'infanterie et des commandants transport léger. Nous avons du ravitaillement classique, donc ça, on va pas se détailler. Au niveau de l'infanterie, nous avons des Pekoshta, longue portée de tir, assez efficace quand même contre l'infanterie de fait d'une mitraillette surtout au corps à corps et infanterie de choc surtout. Nous avons des troupes d'élite anti-véhicule et anti-aérien de allemande. Nous avons des motorisations et troupes régulières pour tenir la ligne de front. Les Panzeroni, surtout unité d'infanterie de support efficace contre l'infanterie et efficace. Légèrement efficace contre l'infanterie du fait qu'il y a 2 HE et efficace surtout contre les blindés. Et enfin, des motos de Chosen 90, l'infanterie de choc principale de son armée pour tenir la ligne de front avec un très bon bazooka, même s'il manque un peu de portée. En support, nous avons un petit peu de soutien d'artillerie et de mortier. Nous avons l'équivalent de Tungusta avec Est allemande. Nous avons 2 Storm 2, nous avons 2 Osaka AKM et nous avons du Cub. Donc un peu tout, des variantes. Enfin, c'est pas Osa AKM, c'est vraiment la variante de base. Hein. Que voilà. La différence. Voilà. Donc, nous avons des dessins peu chers, des dessins à moyen prix, des dessins à haut prix, des mortiers à moyen prix. Hein. Au niveau des blindés, nous avons des Jaguars, nous avons T-112 M1M. Enfin, le T-112 Jaguar, ce sera son char le moins cher. T-112 M1M. Et au-dessus, le Wilks et enfin le Tordis seront ses chars lourds. Au niveau de son corps de reconnaissance, nous avons des reconnaissances exceptionnelles. En T65, T55 en reconnaissance légère en véhicule complément de record. Nous avons des reconnaissances en hélico, avec un Mi 17 équipé de roquettes de 122 mm, équipé d'un Grenonov, équipé d'un Drakonov, d'un sniper et de l'infanterie, donc très efficace contre l'infanterie. Et des spéciales Spenosnik, est-ce qu'on a encore 10 unités? C'est des squads de choc ici, des squads spéciales. A faire attention, beaucoup d'infanterie quand même de recoil, il est probable qu'on en trouve sur la ligne de front. En train de combattre avec infanterie régulière. Nous avons de la DCA, du char en SWAM, enfin de DCA soutien d'infanterie, du char en SWAM et un véhicule anti-infanterie, anti-véhicule qui fait un peu soutien anti-tout au sol. Au niveau des échos, nous avons un Sokol soutien contre les véhicules légers, contre l'infanterie, contre les masses et anti-aérien surtout. Et un hélico
anti-aérien et surtout anti-char. Pour finir, aviation, nous avons des deux MiG-29 équipés de 4 bombes thermobariques de 500 kg et un MiG-23M et un MiG-23M équipé de 6 bombes cluster de 500 kg. On va tout de suite commencer la partie entre ces deux joueurs pour savoir qui de Crozo et d'Apollyon sera qualifié aux côtés de Doumi pour le groupe C. Donc Apollyon, 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 Crozo. Je vous rappelle la map, c'est Jungle Go, 1500 points d'engagement au début de partie. Apollyon qui commence au nord, Crozo au sud. Donc 1500 points en début de partie, Incomlo, 750 points à atteindre en conquête en 40 minutes. Ou moins, en fonction de la partie. Allez. Je sais plus si Crozo joue avec beaucoup d'aviation. Parce que je vois qu'il a sorti un Patriote dès le début en fait. Alors, notre cher Apollyon sort deux groupes de Bradley IFV pour aller sur Hotel ou Echo. Donc gros soutien sur côté gauche, mais pas de reco. Ouais, c'est bien de M2. Au centre, un Patriote avec un HMTT pour couvrir, je pense, tout avion en passant au centre. Il pourra couvrir non seulement Hotel, mais aussi Golf, Juliette, Lima. Pour vraiment battre tous les types d'avions. Son groupe qui va aller au centre, son groupe principal. Léopard C2, M2 Bradley, Avenger, Grizzly, Grizzly, V150. V150, Grizzly, LAV, Scout, gros groupe central pour aller sur Golf. En face, nous avons plein de petits groupes. Un Socom et un Mi-17 avec une Reco pour aller sur Echo. Ces roquettes pourraient facilement faire beaucoup de dégâts au Bradley. Un Strop 2 et une reconnaissance qui va être sur Charlie ou Echo aussi. Ou carrément ici. Hein. Ce groupe-là, Strop 2. Enfin, ce groupe-là, je verrais plutôt ce groupe-là avec la reconnaissance T-112 MAM et Strop 2 aller ici dans ce bois-là. Après, rien n'empêche, quoique, on pourrait aller ici. Ouais. On va voir. Et deux derniers groupes, un commandant. Ah, j'ai oublié de regarder ça. Deux commandants en face, aucun autre commandant en plus. Deux commandants ici, est-ce qu'il y a un commandant en plus? Non, deux commandants de partout. Donc, ça, je peux pas vous montrer, je sais pas pourquoi. Reconnaissance pour aller sur Mike, reconnaissance, infanterie, un Wilks, un Spram, ça c'est pour Mike. Et pour le centre, infanterie, 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 infanterie. Et un T-112 Jaguar, mais pas de DCA pour le centre. À faire attention, c'est quand même un ICO en face. Alors, le Patriote, d'accord, Crozo a oublié d'appeler toutes ses troupes, donc il y a deux infanteries de plus qui vont aller sur le côté gauche, même quatre infanteries de plus. Deux Graf Scouts appelés, d'accord, il n'y a peut-être pas les points, c'est pour ça qu'il les appelle en vrai. Les Bradley qui vont s'arrêter sûrement sur Hotel. Alors, j'aimerais voir ce qu'il a débarqué. Les V-50 ont débarqué des Delta Force et les Highlander sont ici. Il a décidé d'abandonner la ville ou d'aller directement sur le golfe, d'accord. Les Bradley qui ont pour but d'avancer. Si jamais ils sont pas repérés. Ah là il va les repérer. Là, il va les repérer. Non. Ah si il a repéré. Ouf. Les Special Tinis et Noski vont se faire massacrer. Alors, deux Delta Force plus Highlander plus V150 plus Grizzly. Et beaucoup de renforts. Les Bradley qui arrivent. Socom qui s'est mal positionné. Qui s'est fait démonter par les Bradley. Cependant il a perdu un Bradley dans l'opération. Je sais pas si c'est un ATGM qui arrive derrière. Non, je crois que c'est les roquettes qui l'ont eu. Dommage, je pourrais perdre ce Bradley, ça aurait pu être bien d'en avoir un après. Largage de bombe, Napalm sur Delta Force, il a perdu déjà la moitié de ses Delta Force. Et c'est pas des frappes thermobariques, j'ai dû me tromper. Je crois que c'était des bombardiers thermobariques. Je sais pas où c'est qui en a. Je sais qu'il y a un joueur qui a pris des bombardiers avec bombes thermobariques. Delta Force ici, il a perdu la moitié de ses Delta Force. Enfin même les 3 cas c'est Delta Force, les 4 escouades, il n'y en a plus qu'une. Ce qui est quand même de lourdes pertes. Les Bradley qui sont ici, Rifleman qui vont prendre la ville, donc plutôt bon point sur Echo, ça va être contesté. Patriotes sans aucune défense, un tank ici qui pourrait être préjudiciable si Apollyon le voit que trop tard. Les Bradley, c'est dommage de sacrifier des... C'est vraiment dommage de sacrifier des Bradley comme ça quand même.
Il vient de perdre l'intégralité de ses bracelets sans qu'il fasse rien. C'est vraiment dommage de perdre autant de bracelets. Ils ont dégommé à Stockholm et là il vient de perdre des unités ultra chères. C'est... Ah, dommage. Ici, un groupe d'infanterie de Crossbow qui va faire la ligne de défense arrière. Cependant, les Rifleman plus la Gander vont réussir à prendre. Nouvelle frappe. Eh, mais c'est quoi ces bombes? Je suis curieux de voir les bombardiers après. Tu peux le choper. Est-ce que HMTT a déjà été vidé? Non. Donc il n'y a toujours pas tiré le Patriot. Il vient de perdre l'intégralité de sa Lander et de sa force avant. Je pense que c'est en fait un avion qui lance des bombes HE. Ces bombes, c'est des bombes HE plus après avec Splash Napalm. Graf Scout qui va sûrement avoir le M24P. Ouais, ça c'est un M24BP. Je viens de référence. Abattu d'ailleurs par les Avengers, c'était plus rapide. Le Jaguar qui s'approche, qui va se prendre une roquette. Pauvre Jaguar, replie-toi, c'est bon, t'es replié, c'est bien. Un Graf Scout qui a été détruit par contre. Super Cobra ici. L'infanterie. Alors, déjà de là, il y a une infanterie à découvert. Alors, de micro d'abord Napoléon. De deux, je crains que les Lekka Pekochna soient supérieurs aux Riflemen, puisque les Riflemen c'est des standards. C'est des troupes de choc. Et l'une est équipée de mitraillettes. Si jamais il va dans le même bâtiment, les mitraillettes vont faire encore plus un carnage. Mais à traverser serait dangereux. Bah, à courte portée, c'est les mitraillettes qui gagnent. Après, en plus, c'est pas paniqué. Faut vraiment que je vois c'est quoi cet avion-là, parce qu'il est vraiment intéressant. Ouais. Et le Patriot est trop loin, il n'y a pas de ligne de tir dessus. Et là, en se retournant, il perd un Léopard en se faisant tirer dans le dos. Sur les... Alors actuellement, je donnerai un avantage à Crossbow. Parce qu'il contrôle Mike à 100%, il contrôle Echo à 100%. Le sort de certains décès, mais c'est kiff kiff. Même avantage, même Crozo a pris avantage. Et enfin, il y a des troupes ici qui bloquent un peu l'avancée adverse, au besoin. Donc on va voir la suite. Mais là, voilà, c'est l'avion que je voulais voir. DDRS, Napalm. Ah, c'est ça, c'est des... 4 bombes de 500 kg napalm et HE. C'est pas que napalm. C'est pour ça que cet avion est aussi puissant et aussi cher. J'ai pas compris pourquoi il coûte 35 points. Mais ces 13 d'HE, c'est ce qu'il faut en fait. Vous rajoutez un avion napalm, vous rajoutez des bombes HE. Les Patriotes qui ont eu. Les Avengers qui l'ont eu, certes. C'est pour ça que c'est un avion qui fait autant de dégâts à l'infanterie. Parce qu'il joue les deux rôles. Il joue le rôle de bombardier avec ses bombes, le fait que ce soit HE. Et Napalm contre l'infanterie. Donc en fait, il fait des dégâts à l'infanterie. Puis après, il bloque en plus l'avancée. Les troupes qui viennent renforcer le centre. Mais Apogon est dans une triste situation, si je peux me permettre. Gaspiller 4 roquettes dessus, ça fait mal. Sûrement les hélicos qui devaient servir de scout. Et Crossbow qui va prendre l'initiative. Un Nike Hawk qui contourne. Est-ce qu'un Nike Hawk a été vu par Crossbow? Non. Je crois que le seul moyen de voir un Nike Hawk, c'est d'avoir un avion au ciel ou s'il passe juste au-dessus d'une DCA. Alors, où est-ce qu'il va frapper? Il va frapper au pif et commandant? Il a fait pari que le commandant est ici. Il a fait un bon pari. Il a fait un sacré bon pari.
Après, il a peut-être amené un scout, mais je crois pas avoir vu de scout. Ah si, regardez, le scout est ici, d'accord, il a envoyé un scout et il a vu que quand on n'avait pas bougé, donc il a envoyé une attaque que fini. Bien joué de la part d'Apollyon, j'avais loupé le mouvement là. Mais vraiment très bien joué de sa part. Magnifique coup. Qui limite l'avancée de Crossbow. Cependant, c'est pas suffisant. Il n'a pas le contrôle du terrain. Les Bradley au centre se font massacrer. Nike Hawk renvoyé. Nike Hawk abattu. Alors là, par contre, c'est une perte terrible. Il est passé au-dessus de Strop 2. Strop 2 a tiré deux missiles et a abattu une Nike Hawk. Le seul bombardier que possédait Apollyon a été abattu. Non seulement il perd sa plus grande force de frappe, mais en plus, il ne peut plus aller faire de sniping de commandant avec. Et il n'a pas d'artillerie longue portée. Cela met Apollyon dans une position très précaire. Mais vraiment très précaire. Bravo Srop 2. Lui, il aura mérité beaucoup de vodka, je pense. C'est pas honnête en plus, je crois. Dans ce check. Oh, c'est pareil. Tout dans le pack de Varsovie, ça mérite la vodka quand c'est point en récompense. Je sais qu'un Tchécoslovaque ne paraît qu'un poney, je vous rassure. Mais il aura un droit à une augmentation de salaire parce que vu ce qu'il a fait que Srop 2 a battu un Nike Hawk. Nike Hawk n'a même pas été rentable, il coûte 150 points, il a dégommé pour moins de 150 points à dégommer le commandant. US Marine qui n'arrive pas à avancer à cause des BMP2. Il a Crossbow. Crossbow qui s'amuse, qui déploie son armée. Et on va un commandant Gao, d'accord. 7 commandants contre 7 commandants, je vous rappelle. Napoléon avait 7 de départ. Crozo en avait 8. Mais il en a perdu un. Donc de ce fait, il n'y en a plus que 7. Encore un nap. Un peu de napalm. C'est marrant, c'est que les arbres n'ont pas cramé, mais ça crame autour. Quoi qu'il en soit, bon, je m'excuse, la partie n'est pas forcément intéressante. Il y a toujours des phases un peu plus mou. Voilà, il y aura. Avec ces deux commandants de plus, il y aura un point de plus, Crozo, et vu le temps qui reste. Il envoie un avion qui a intercepté le tir du Patriote. Je crois qu'il testait à DCA. Le Patriote qui a au moins abattu cet avion-là. Mais c'était qu'un MiG 21. Ou quoique, c'était peut-être bien un bombardier. Avec le 112 M1M qui tire à la TGM sur Abrams, ce qu'il pourrait y avoir. Pas de Belize et sur le champ de bataille. Excusez-moi. Ça s'appelle Belize. On a peut-être faire ça. Je suis triste pour Apollyon, mais. Les deux joueurs se rendent coup pour coup, cependant, Apollyon, en ayant laissé notamment ici, il n'y a rien du tout. Aucune troupe là. Bah, les Bradley couvrent quand même. Il n'y a aucune troupe ici, le problème. Les Bradley ont beaucoup couvrir ici, ils couvrent pas cet endroit-là. Il faudrait un peu de troupes, je pense, mais avec toutes les peurs qu'il a eues, c'est compliqué. Apollyon a pris le secteur de droite pour éviter une trop grosse avancée en pointe à part de Crossbow. Mais il sait que pour gagner, il doit faire une percée et abattre certains commandants. Il a amené le commandant sur la ligne de front, faut pas savoir que c'est pas forcément une mauvaise idée. Il y a quelques troupes ici, il y a quelques troupes là. Enfin, ces troupes-là auraient été plus utiles pour rester protégé le commandant. Maintenant, il n'y a plus que ça en protection. Donc, là, il enverrait un gaffe. Ouais, quoique, il faudrait éliminer ça.
Et vu qu'il n'y a plus de Nike Hawk, il ne peut pas les éliminer tranquillement. Le commandant qui se fait cramer, mais c'est pas important. Le commandant blindé, il peut se prendre des flammes, il survivra. Hein. Et c'est un petit assaut de la part d'Apollyon pendant trop de troupes. Il y a trop de troupes de choc à cet endroit-là. Ça vaut des troupes de choc, US Marine, mais ils sont un petit peu en infériorité numérique, quoi. Cependant, Delta Force vient de prêter main forte, donc j'ai rien dit. Delta Force prête main forte, occupé à DCA, tous. Ils ont raté tout en roquette, donc il y a aussi un manque de chance de son côté. Il y a Strobe 2 dessus. Strobe 2. Strobe 2, s'il avance, il a. Ah, il a avancé trop tard. Il aurait avancé un peu plus tôt, il avait tellement démoli. Bon, les Bradley ici font que Bouloy couvre pressante. Enfin, il y a un Bradley de là pour couvrir, des Léopards là. Les flammes empêchent le commandant de avancer. Les infanteries qui vont avoir les US Marines, ça va terminer. Commandant détruit. Le T-112M de Wilkes a eu le commandant. Le tank est en soutien sur infanterie. Mike est perdu. Et Apollyon admet la défaite. Je peux comprendre à sa place, il n'y avait pas d'autre moyen de revenir vu le tank qui restait. Bien joué à part de deux joueurs, et deux joueurs sont battus vaillamment. Crozo passe en quart de finale. Apollyon restera en phase de poule. Une prochaine fois, Apollyon y arrivera, je pense. Donc voilà, c'est vraiment la poule la plus compliquée à déterminer. Donc Doumi a gagné ses 3 matchs, Crozo a gagné 2 matchs, après on a gagné 1, Crocodile on a gagné 0. Cependant, malgré que la défaite d'Apollyon, malgré la défaite de Crocodile, qui ne sont pas qualifiés, ces joueurs auraient pu passer. Hein, et même si le Crocodile est certain, en tout cas remanié, Apollyon aurait manqué de chance sur cette partie, il faut avouer. Mais je crois qu'à perdre son Nike Hawk, il a déstabilisé à mon avis. Strobe 2 qui tire 2 missiles Giga qui là-bas. Voilà, ça fait mal. Hein. Mais bon, bien joué aux deux joueurs en tout cas. Belle bataille. Bonne continuation à Crozog, bonne continuation à Apollyon pour un prochain tournoi si on je refilme un autre tournoi. À voir. Mais voilà. En tout cas, c'est ainsi que terminons le round 3 pour le groupe C. Nous attaquons round D avec DM vs Meister et Dan, ce sera pour une prochaine vidéo. Donc d'ici là, portez-vous bien et à tout le monde. Et encore merci à regarder cette vidéo en ma compagnie.